Yo tout le monde, c'est Kyrios. Alors on est reparti pour la suite de notre aventure sur Dawn of Man. Alors, qu'est-ce qu'on avait fait? Eh ben, on avait construit déjà deux tanks là. Je crois que j'avais dit dans le prochain épisode, dans le dernier épisode, qu'il fallait que je continue à créer ici d'autres baraques pour avoir plus de monde. Et stockage, tas de pierres, tentes, tas de bois. On va stocker, ouais, là, peut-être pierre ici. On va mettre une zone de stockage, on sait jamais. Et production, on avait tout. Établi d'artisanat, c'était ça. Donc on n'a pas grand chose. Et là, on avait déjà pot. Ok, ok. Donc on va augmenter un peu la vitesse. Pêcheurs, ils sont là et je crois qu'ils étaient là aussi. Lui, je sais pas ce qu'il a. Moral. Ah. Peut-être truc de spiritualité. Ah voilà. Poton au crâne. On va le mettre. On va mettre ici. On va le mettre là. C'est peut-être ça qui manque un peu de. C'est. Je pense que grâce à ça, peut-être ça va augmenter le moral, je pense. Il manque un peu de spiritualisme là. Pour commémorer leur mort et tout. Normalement les gens ils sont là. Ok. Là on est à comment? On est bien. Automne. 4 points de connaissance. Ok. Je pense qu'on va partir sur la domestication de chiens. Peut toujours servir. Là, elle s'en est où? Ah, on peut mettre une priorité élevée. Hop. Dépêchez-vous de construire ça. Qu'est-ce qui manque? Ah, il manque un os. D'accord. En fait, il manque pas grand-chose. Il manque un os. Ben là, il faut s'y trouver de l'os. Alors, des os. Ben, les os, j'aurais que là où il y a des animaux, en fait. Une attaque de loup. Oh, bah tiens. De toute façon, lui, il arrive dans dans une zone de chasse. Bon, bah voilà, allez. Ils vont le dépecer. Récupère la viande, récupérer les os. Donc c'est bon, en fait. Je vais quand même. Là, j'ai un tas de bois. Je vais mettre là, moi, un autre tas de bois ici. Une zone de stockage. Tas de bois. Ici. Quoi, une attaque de loup? Ouais, c'est bon, c'est bon. De toute façon, ils arrivent à gérer, ils gèrent. Vider le contenu. Voilà. Ils vont vider le contenu et ils vont le mettre ici.
Voilà. Je te dis, ils savent vraiment. Ah, j'ai beaucoup de trucs là. J'ai plus rien. J'ai plus rien. On va recycler ça. Ça, ils vont tout mettre là. Et du coup, j'ai 9 en machin. Alors, on avait dit. Hop là. Des chiens. Comme ça, on aura des chiens. Voilà, ça augmente un petit peu. On regagne son moral, bah oui, bah voilà. J'ai encore de. Ah, il m'a un as. Je m'en fous un. Un os, un bois et un cuir. Et on va en mettre un deuxième. Voilà. Comme là, on est bon. Du coup, là, on va construire, on va mettre une résidence. Écurie, maisonnette, écurie en pierre. Hop, une autre tente. On va le mettre ici. Il me faut 4 de bois et 2 de machin. Donc c'est bon, 2 de cuir là. Donc on devrait être bon. Oui, peut-être augmenter un peu la vitesse du jeu. On aura plus de monde qui arrive. Ah, un marchand qui est arrivé. Alors. Qu'est-ce qu'il nous demande? Du silex, la viande séchée, un os. Commission moyenne. C'est quoi? Si je lui donne 1, valeur marchande, ça fait 6. Lance à bois. Ah, valeur 5, valeur 7, valeur 5, valeur 1 et valeur 1. Ok. Du pain, du bois, non. Silex, c'est bon. Viande séchée, c'est bon. Là, on a pris. Allez, hop. Ça fait 8. Du coup, ça nous fait 7 et 1. Et puis. Hop, comme ça, on est bon. Voilà. Là, ils peuvent prier, là. Là, ils peuvent avoir leur morale qui peuvent augmenter. Bah tiens, t'en as un qui prie, en plus. Il y en a 2 qui prient. Allez, voilà. Ça, ils peuvent prier, ils sont contents. Voilà. Pourquoi tu vas pas prier, toi? Je sais pas. Toi, t'étais ici. T'es à comment? T'es comme ça. C'est bon. On va attendre un petit peu. Là, c'est comme ça. Là, c'est comme ça. Là c'est comme ça, là c'est comme ça. Et hop, pêcher. Viens ici. Du coup, toi, on va supprimer ça. On va attendre qu'un peu que ça. Bien, les combien on a 12 familles. Ce peut qu'on acquiert 3, c'est ça? 3, 6, 9, 10, 12. On est déjà pas mal. On a pas mal de trucs, hein, mais je sais pas. Bah attends. Là on est comme ça. Il est où l'autre?
L'autre c'était pour le bois, donc on a assez. Et lui il récupère ça. Peut-être une zone de chasse maintenant. Je suppose que ce serait pas mal. On en a une là, si bien ça protège le village. Mais je me demande si on va pas en faire une là aussi. Une autre zone de chasse. Tenir de la pierre, récolter les plantes. Ça c'est du silex. Boulot. Silex. De la pierre. Ça c'est quoi? Ah, mégalithe. Attends, hop. Hop là, tu récupères de la pierre ici. Et puis on va mettre une zone de chasse là. Dès qu'il y a les animaux qui passent là, hop, ils vont les chasser. Donc hop, on augmente la vitesse du jeu. On a beaucoup de boulot en plus. Est-ce que j'ai encore des os? Oui, j'ai encore 3 os. Je pense peut-être que je peux en refaire une. Je l'ai mis là, je vais peut-être en refaire une ailleurs. Ah bah tiens, on a un chien. Construire. Encore un truc de spiritualité là. On va construire un là. Là j'en ai deux ici, je vais en mettre un autre là, un peu partout, comme ça ils peuvent prier un peu partout dans le village. Ça sera beaucoup mieux. augmenter un petit peu la vitesse. Hein. Voilà, x8. Ah, nouvelle aigle marinée. Donc ça c'est bien. Là, bah toi, là il le répare. Il répare la tente avec les matériaux, les ressources qu'on a. Je comprends pas pourquoi il va pas prier. Parce que là, t'as 3 emplacements pour prier, donc c'est déjà pas mal, hein. Du coup, je me demande si je devrais pas améliorer le prochain truc là. Rituel funéraire. Pour augmenter un peu la spiritualité. Des chiens sauvages, on en a là, on en a un là. Chien. Palier atteint. Survie. Voilà, on a atteint notre premier palier. On a survécu. Allez, hop, du coup, bah on en a 7. Hein. On peut débloquer un peu le spiritualisme. Enterrer les morts. Donc ça me demande 3 de pierre, un os et un de cuir. Donc on en a pas encore. Et spiritualité. Ah, presque pas assez de nourriture. Ah. Hop, ils nous ont pêché ici aussi.
Normalement, je vais avoir une zone aussi là. Donc, il va falloir que j'emmène des gars à chasser. Et pour ça, il faut que je trouve des bêtes. Et là, ils sont un peu dangereuses pour moi. J'ai rien d'autre là. Ah, j'ai tout là-haut encore. Buffle, bison. Ça c'est quoi ça? Le lion des cavernes. ça c'est quoi ça? C'est le chien donc non. On va pas y bouffer le chien quand même non plus. Zorok. Bah là on va mettre aussi une zone collecte. On va en mettre deux. Là j'ai combien là? J'en ai deux. J'ai trois. 6x, j'en ai deux. Et pierre, j'en ai un. Ah, ça devrait aller là, j'espère. En fait, c'est la nourriture qu'ils ont pas assez. Je pourrais attaquer celui-là, le bouquetin là. Ça, ils vont aller chasser le bouquetin. Bah, il y en a un qui part chasser. Ah oui, bah du coup, construire un peu des couteaux là. En os là, j'en ai 7, non, c'est bon. Ah, c'est biface, d'accord. Donc je peux en construire deux. Vu que j'ai deux os, je peux en deux os, je peux construire deux machins. Ça serait pas mal. Là, ça se remplit un peu. C'est quoi ça? Hop, bison encore. Un bison. Mince. Hop, je peux pas faire grand chose. Résidence, non. Le marchand est arrivé. Je peux rien faire. Production, je ne peux rien faire. Truc funéraire. Fallait 3 de cailloux et un de ça et un de ça. C'est un endroit pour enterrer les morts. On va mettre un peu loin, plus loin. On va le mettre ici. Voilà. Ah, on a le marchand. Apparemment, il me manque de la nourriture. Voilà. Il faut 6. Ça vaut 5. Ça vaut 2. Ça vaut 5. Ça fait 7.
Wesh, ça va au sang. Voilà. Hop, pêcher ici. Il faudrait que j'ai plus de monde là qui arrive. Là. Donc du tannage. Okay, je pense qu'on va partir là-dessus. Je suis à 13 moi, de la place, capacité de 21. Donc j'ai pas encore assez de monde. Là. Ça c'est quoi ça? C'est Yen des cavernes. Un bison. Ouais, le bison, il faudrait plus de monde. On va récupérer du bois aussi, là. Ça, on va mettre la zone là aussi. Hop, comme ça je récupère plus de bois. ...54%, 62%. Ouais, donc ils ont plus de boulot. Donc ça devrait aller. Alors, logiquement, on devrait avoir plus de boulot, plus de monde, la nourriture, ça devrait aussi. Ouais, il me faudrait, ouais, il me faudrait de la nourriture là. Que je prenne, je sais pas moi, les ça c'est homme adulte, vieil homme, jeune adulte, homme adulte. Tiens, tu vas prendre celui-là, celui-là, celui-là et celui-là, et on va lui demander d'attaquer. Celui-là, le bison là. Normalement, à 4, ça devrait le faire. Plus de nourriture qui arrive. De la peau. Donc c'est pas mal. Des os. Beaucoup d'os, en fait. On va regarder un petit peu la chasse. Alors on voit, il se met accroupi là, hop, il attaque et il est déjà mort. Donc un point de connaissance. Allez, hop. Atelier de tannage, tissage, fabrication de traîneaux. Bon bah voilà. Il y en a un qui est fatigué. Goliath, chasse cueillette. Ouais, d'accord. Alors, construire. Résidence, j'ai pas. Stockage, non, c'est en production. Pour fabriquer du cuir. À partir de peau séchée. Bon, on va la mettre là. Donc on va avoir du cuivre, du cuir. Ça sera déjà un peu mieux. Hop, il récupère, il construit. Qu'est-ce qui manque comme ressources?
Il manque un de bois. Ah. Une bûche. Ouais, ça, il faut récupérer ça à droite ailleurs. Il y a combien de chiens là? J'ai un chien, deux chiens, trois chiens, donc c'est bien. En même temps, les chiens, ils serviront d'animal de compagnie et aussi de. Je crois de. Pour protéger, ils peuvent attaquer les animaux sauvages quand ils rentrent dans ton territoire, dans ta zone là. C'est quoi l'autre? Entraînement du chien. Abattre, non. Ah voilà, du coup on a entraînement du chien, donc domestication de la chèvre. Ça c'est bien ça. Je pense qu'on va partir là-haut. Ça nous permettra d'avoir une autre revenu de nourriture, une autre source de nourriture. Ouais, j'ai toujours personne là. T'as la place pour 8. Hop, va chasser là. Elle va pêcher là, je veux dire. Là, on a la viande qui est là. Il manque une bûche. Ah bah voilà. Bah du coup, tiens. Les chèvres. Voilà. Oh, on a une hyène qui rôde. C'est pas bon ça. Ils vont l'attaquer. Oh bah regardez. Hop, ils y vont. Les deux chiens plus 4. Ça c'est bien ça. Alors, en plus c'est les bébés hyènes. Donc pas s'emmerder hein. Ah mais il y a tout, même lui. Allez hop. Et Kirk est là. Tac, chassez-moi ça aussi. Voilà. Façon, il y a une zone de chasse là, je crois. On a des loups, on a tout. Allez, vas-y. Plus de nourriture. Voilà. Ça, hop. Voilà tout ce qu'il faut là. On a assez de nourriture. Ah, les autres, ils arrivent encore. Ils attaquent les loups, ils attaquent tout. Yen des cabanes à tuer chien. Animal chassé, loup, x 5, un pot de connaissance. Bah, c'est pas grave. On a perdu un chien. C'est pas grave. Voilà, on a assez de nourriture, assez de peau et tout. C'était sûr. C'est une zone de chasse, donc là on va ramener pas mal de nourriture, pas mal de peau, pas mal de trucs. Ça c'est quoi? Un lion des cavernes. D'accord. On va être tranquille. Je comprends pas pourquoi j'ai toujours pas une bûche. Faut que je regarde un truc. Lettre, ok. Pourquoi j'ai pas de bûche?
Tiens, vieille femelle. Tac. Tac. On va en profiter, hein, parce qu'ils sont morts, donc. Carrière, voilà. Voilà. Ouais, donc ça me dit rien du tout. Pourquoi je n'ai pas de bûche? Peut-être que je dois construire une autre zone de stockage, je pense. Voilà. Comme ça, j'aurais peut-être plus de. Ah, peut-être pour ça. Peut-être que mon stock il est plein et du coup il n'y a pas assez pour mettre d'autres trucs. On peut dire qu'on est tranquille au niveau nourriture, hein. Que des bûches. On a du bois, comme ça on est tranquille. On a toujours mes chiens qui sont là. Lui, qu'est-ce qui manque? Bah, une de pierre. Réserve de silex. Ah, d'accord, c'est pour ça que ça va pas. D'accord. Hop. Stockage, on en refait un. Mais je veux que de la pierre. Pierre, silex est encore là. Là, 5 lances à bois, couteau à os, je vais en construire encore là. Là, c'est les trucs à harpon ça. Lance à os, c'est bon. Couteau. Peut-être des bifaffes. Construire encore un peu. 3. Harpon, je pense qu'on est bon là. Fronde, bah, j'en ai 4. Ouais, couper un peu, avoir des couteaux là. Du coup, ça me ferait combien 9 bifaces. 18, donc on construira un peu plus. Ça, il y en a un peu plus de monde qu'il en a. Et ouais, je crois que j'ai construit sans le savoir. Ça. Et harpon en os. Bon, c'est pas grave. 11. Je vais peut-être encore aller. 12, 13, 14, 15. Ouais, c'est bon. Parce
que je comprends pas, c'est pourquoi ils viennent pas récupérer la pierre là. Ah, parce que d'accord. Ok, j'ai compris. C'est du silex. Ouais, j'avais pas fait gaffe. Eh ouais. Sinon, il faudrait que je trouve de la pierre qui est un peu. Là, on a quoi? Du silex. Mégalithes, du silex, du silex. C'est où que j'avais trouvé de la pierre? Là, je peux pas. Voilà, ça, ils vont ramasser la pierre là. Et pourquoi moi j'ai pas de bûche? Ah, j'ai des bouts de bois et tout ça, mais des bûches, j'en ai pas. Bah, peut-être quand il y aura un marchand. Ah, bah déjà ils ont presque plus de nourriture. D'accord. Hop, pêche ici. Non, on va attendre un petit peu. Tiens, pêche là. Pêche là. Matériaux de réparation nécessaires. Ah, le marchand est arrivé. Alors dis-moi, est-ce que tu as des bûches? Ouais, hop. Donc ça me vaut 5 points. Poisson séché, légumes secs, ça me sert à rien. Du tanin non plus, du silex non plus, du pain non plus. Lance en bois, oh, ça peut être sympa ça. Ça vaut 5. Hop. Au 7, il m'en manque 1. Si j'en mets un, du coup. Ça fait 9. Voilà, comme ça on est bon. Voilà. Ah bah le silex il est fini. Hop. J'avais pas l'autre. Ah bah. Ah, en fait ils disparaissent quand c'est terminé. D'accord. Ok. Du coup, du silex, c'est où que j'en avais? Ah bah, atelier de tannage, ok. Alors, on va rester là et on va essayer de trouver du silex. Ah bah, j'en ai là. Voilà. Allez, hop, comme ça, il récupère du silex.
Alors, c'est du printemps, donc c'est pas tout de suite qu'on pourra faire. Ça, on pourra faire du cuir. Mais on peut pas le faire tout de suite. Ok, qu'est-ce que j'ai là? Point de connaissance. Tout de suite. Polissage des os, lance en silex, hache en silex, pioche en silex. Voilà, ça c'est fait. On va balancer ça tout de suite. C'est surtout ça. Alors il me faut du bois, ouais. Ça, ok. Pour avoir une pioche en silex. On va faire deux. Non. Stockage, non, c'est pas ça. Production. On n'a pas. Là, on n'a rien. Là, on n'a rien. Du coup, l'autre, il me produit directement. Ça, ça. Presque plus de nourriture, ouais, je sais. Donc on va peut-être aller chasser aussi. Et j'avais pas polissage. Ah ok. Du silex, j'en ai pas mal. Du truc, j'en ai pas mal. Donc il me prépare ça, il me prépare ça. Non, on va pas faire ça. Pour les bûcherons. Ah bah voilà. Ça, c'est pour la chasse. Donc on va en faire deux autres, comme ça. Et deux autres comme ça. Et on va essayer d'aller à la pêche. Enfin, si je trouve un truc. Ah, ben voilà, hop. 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 Et voilà. Ouais, nous n'avons pas de pioche. Ok, donc ça c'est normal. Donc toi, tu me dépêches à construire ça vite fait. Hop, hop, les pioches, les trucs pour la chasse, ils seront un peu mieux. Et du coup, j'ai 4 lances en bois, 5 lances en os, et là, j'ai les lances en silex. Donc, ça va être pas mal. Ah bah, j'en ai plus qu'un. Ah, ça veut dire que... Ah, lance en silex, j'en ai deux. Ok, donc ça veut dire qu'il y en a un qui en ont pris. Et nous n'avons pas de pioche, je sais. Et là, je suis en train de construire... Bah, je les ai construits normalement, les pioches. Donc logiquement, ils devraient être... Pierre, oui, bah ça y est, ça commence. Donc on aura des pierres. Et... Normalement... H en silex. Abattre. Alors c'était où qu'il y avait le thym là? Myrtille, non. Le pain. Ah c'est du sapin. Voilà. Collecter le thym. L'épicéa. Ok. On va couper. Bon, on va couper. Tiens, on va juste couper celui-là. Abattre celui-là. Et poirier, non. On va faire des bûches, bout de bois, comme ça on est tranquille. Et puis du coup, je pense qu'on va s'arrêter à là. Hein. Tiens, bah, tu vois, hop, les deux autres, ils vont à la chasse. Parce qu'il y a un bison qui est... Non, un sanglier.
L'autre il fait tout le tour. Là il récupère de la pierre, normalement on est bon partout. Hop, on va mettre sur pause. Ouais, c'est un peu chiant au démarrage que j'ai eu là. Mais maintenant au niveau paléolithique, je devrais être tranquille. Allez, connaissance 7. Ok, ok, pour pouvoir prendre le mésolithique, le néolithique, l'âge de cuivre, l'âge de bronze et l'âge de fer. Donc on a pas mal de trucs. Donc qu'est-ce qu'il faudrait que je construise d'autre? Vite fait. Encore deux personnes. On va peut-être commencer à construire d'autres maisons. Juste en rajouter une là. Peut-être un petit feu aussi. Non, c'est pas là. Alors c'est où? Petit feu de camp là. Ça. Là ils vont le couper, là ils vont récupérer pour le... C'est ici je crois. Ouais. Le sapin, hop. Ils vont récupérer là, ils vont récupérer là. Comme ça, ils vont pouvoir commencer à faire du tannage. Là j'en ai deux, il me faut... Poisonner afin d'augmenter sa durée de feu. Ah, il faut un truc brut. Ouais, regarde, hop. Là, on va pas s'emmerder. Allez, on va attaquer le mouflon qui est là. Ainsi que celui-là. Ah. Domestication de moutons, on peut pas. Ouais, on peut pas encore, donc on va pas s'emmerder. Hop, on va chasser tout ça. Permettre de récupérer. Hop. Hop. Et dans la foulée, on balance 1, 2, 3. Ça, on est tranquille. Et voilà. Du coup, on va s'arrêter là. J'ai lancé pas mal de choses, donc normalement, j'espère que dans le prochain épisode, on va être tranquille. Parce que là, le temps de bien mettre en place et tout, c'est un peu chiant au début. Mais après, on va être tranquille. Bah pourquoi qu'est-ce qu'il a, lui? Il a le moral à zéro. Mais normalement, c'est bon, là, le poteau qui est là. Là... on termine en restant 3. Donc là on est tranquille. Ah, surtout qu'on a pas mal de matériaux là. Donc ça devrait être pas mal là. Bon, bah, moi je vous dis à la prochaine. Allez, ciao ciao à tous.